voilà, c'est midi, elle est là, c'est midi, de retour avec ses surprises. On ne s'y attendait pas. Ça va? Alors, DJ Arafat est de Bordeaux, Likoufa, sur le plateau de ce midi. Pour ceux qui nous suivent peut-être de l'international et qui ne connaissent pas l'histoire, ce sont des amis qui sont devenus par la suite ennemis et qui sont redevenus amis. Qui l'aîné entre vous deux là? C'est lui l'aîné. D'accord, on lui donne la parole alors. Alors, Ange, comment bonjour. Vous allez? Bonjour, ouais, ça va, ouais. Bonjour. Oui. D'abord, mes excuses pour notre. Non, non, c'est oublié. En même temps, c'est pas moi le plus grand, hein. C'est lui le plus grand. Mais il vous a donné quand même le droit d'aîné. Moi, je suis né en 1986, lui, il est né en 84, donc qui est le plus grand? Dis la vérité. C'est 86, il y a grand, il y a 84. Bon. Non, on est juste passé vous dire bonjour. C'est certainement par une voilà, on est juste venu dire bonjour. Mm-hmm. Vous invitez aussi à un grand événement qui va se passer dans notre très beau pays qui est Abidjan. Et c'est quoi cet événement? C'est le concert de notre réconciliation. Wow. Moi et ce petit là, au fait. Voilà. Wow. Le petit, le grand, on ne sait plus là. Tant attendu. Alors là, nous, ce qui nous plaît dans cette histoire, c'est le message fort qu'ils envoient. Mmh. C'est vrai qu'on peut avoir des divergences d'opinion, on peut ne pas s'entendre sur des points, on peut se considérer même comme des ennemis, mais on finit par se réconcilier parce que ce que nous prônons aujourd'hui, c'est l'amour entre les Ivoiriens et je pense que c'est ce message qu'ils nous envoient. Qu'est-ce que vous promettez aux téléspectateurs, on va dire à tous ceux qui vont effectuer le déplacement pour ce concert? Un très grand show du jamais vu. Mmh. Ouais, c'est du jamais vu. Ah ouais. Si vous avez vu un peu Arafat en attraction, de Bordeaux aussi, ben est-ce que vous avez déjà vu ces deux puissances-là ensemble? Ah, nous, on n'a jamais vu. Hein. Voilà. Vous voir ça maintenant. Vous passez devant, vous avez fait qu'un chouchap chapelé. Des Bordeaux, si je m'en souviens, lorsqu'on vous recevait à la saison dernière sur ce plateau, vous avez dit, lui et moi, quand on se croise, ça fait masse. Donc, je pense que... Non, tu vois, il n'y a pas qu'elle fait masse. Donc, les amis, voient un peu. Donc, on dit réconciliation et paix. Donc, tout le monde doit suivre un peu cette ligne. Hein? Tout à fait. Voilà, parce qu'on a donné un peu l'exemple. Voilà. Mm-hmm. Oui, mon champion. Tu vois un peu, non? C'est sincère, non? Voilà. C'est sincère. Quand on le gagabo, la gobine, on va là-bas. On dort, on s'en fout comme maman, on va là-bas qui me le veut. Des bordeaux, les couffins, bébé Philippe, international, la gobine, on va te le gagabo, 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 ils sont dit, ils sont pas, ils sont des renabis, ils sont tous les cantonnés. Alors, on a tapé sur la cause, quand tu as demandé, on va te le gagabo, le 29 décembre, ça s'est passé. Merci beaucoup. Maintenant. Oui. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. C'est là qu'on va terminer. Si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Mm. Écoute bien. Il y a un son, les débordeurs, le Koufa, qui doit sortir le 1er novembre à minuit. D'accord. Le son s'appelle À Gaza, Gaza. À Gaza, Gaza. Je répète, À Gaza, Gaza. À minuit, 1er novembre. Mais moi, il y a le son, merci beaucoup. On vous retrouvera au concert. Merci. Merci. Arafat d'être venu, merci des Bordeaux d'être venu sur le plateau et merci aussi à vous, on ne vous a pas présenté, mais bon. D'accord, enchanté, voilà. Et voilà, l'émission se poursuit.